Quel mot vous vient à l'esprit pour qualifier une telle situation? Oui, incohérence. Tel est bien le maître mot. La notion même d'incohérence présuppose de se trouver face à une collection innombrable de choses en mouvement et topologiquement déconnectées, c'est-à-dire séparées par du vide. Ici, ces choses sont les piétons et les véhicules. Soit maintenant une direction de référence arbitraire et une flèche pointant dans la direction du mouvement d'une chose prise au hasard. On appelle angle de phase l'angle que fait chaque flèche individuelle avec la direction de référence fixe. Lorsque cet angle de phase varie de manière arbitraire de chose en chose, on dit qu'il y a incohérence de phase ou plus simplement incohérence. Ici, c'est visiblement le cas. Et maintenant, que penser de ceci? Incohérence ou cohérence? Ici, il y a bien cohérence de phase, car si chaque femme qui marche au pas est remplacée par une flèche, toutes les flèches pointent exactement dans la même direction. Cohérence de phase ne signifie évidemment pas que l'angle de phase soit toujours le même comme dans le cas du régiment. Le cas de la vague mexicaine est un bon exemple du nombre de cohérences qui peut faire le tour complet d'un stade à toute allure. Voici maintenant un autre exemple où il y a cohérence de phase à tout moment, mais où la phase commune change continuellement de direction. Frappe au premier abord, c'est l'aspect parfaitement coopératif de l'entité qui est à la fois une et multiple. Et voilà, vous comprenez peut-être maintenant ce qu'est un domaine de cohérence. Ici, un autre exemple où c'est un prédateur qui est responsable du changement de direction des différents domaines de cohérence. Et maintenant, la super cohérence. Ici, chaque personne porte une pancarte qui, prise isolément, ne signifie pas grand-chose. Chaque fois qu'une onde solitaire, appelée soliton, passe, supportée par l'ensemble des domaines de cohérence, on voit qu'il est possible d'afficher n'importe quel message. Oui, évidemment, danser, c'est avant tout avoir un mouvement cohérent. Certes, mais dans le cas d'une foule humaine, il y a toujours un chef d'orchestre qui coordonne les mouvements du groupe. Mais alors, quel est donc le mécanisme qui assure la cohérence de phase dans une nuée d'oiseaux ou dans un banc de poissons? La solution, dans une autre vidéo.